Bien, très bien. Mais ne nous figeons pas, renouvelons, n'est-ce pas, les cousines?
renouvelons du vin dans tous les verres et chantez pour donner aux autres l'envie de chanter. Il y a une demi-heure dans le palais du vice-roi. Pardon, Excellence. Il y a une demi-heure, un homme est sorti furtivement du palais par la petite porte des cuisines. Bien. Cet homme, vêtu d'un costume de chaman vaudou, n'est autre que Don Andrés de Ribera, notre vice-roi, notre très gracieux maître. Très bien. Mais causons comme une paire d'amis. Dans quel dessein pensez-vous que son Altesse se soit avisée de courir aujourd'hui les rues? Car il faut bien l'admettre, son Excellence n'est plus vraiment populaire. Oui, mais il est toujours gaillard, le vice-roi. C'est la porte d'un appartement lui appartenant. Avant de sortir, il aura grand soin d'en mettre la clé dans sa poche. Et je pense que ce soir, après le concert, il ne serait pas fâché d'y conduire quelques sémillantes manolas. Et croyez-vous que ce soit pour cela seulement? Je crois aussi que se flattant de ne pas être reconnu, il profitera de l'occasion pour adresser aux gens quelques petites questions comme ça, sans en avoir l'air, afin de savoir un peu par lui-même ce qu'on pense de son administration. Cela ne vous inquiète pas? Il ne faudrait pas qu'il soit mis au courant de nos manigances pour le compromettre? J'ai pris mes précautions, Miguel. Moi aussi, je sais des choses. Et si tout se passe bien, dans quelques jours, nous serons vengés. On trouve le vice-roi! Qu'il croupisse dans une sombre geôle. Mort le vice-roi! Mort le vice-roi! Qu'est-ce que c'est que ça? On m'annonce que le vice-roi est à 100 pas d'ici. Alors là, je dis chapeau, Miguel. C'est le vice-roi. Asseyons-nous là et fondons-nous dans la foule. Aux femmes, et fringant comme un diable autour.
allez rire à la fin. Apportez-moi une bouteille de rhum. Il n'y a pas moyen de causer sérieusement avec ces péronnelles. Mon Dieu, qu'on a de mal à connaître la vérité. Après tout, si elles sont gaies, si tout le monde est gay, c'est que ça va bien. C'est que l'on n'a pas trop à se plaindre. N'est-ce pas, monsieur, qu'il n'y a pas trop à se plaindre? Vive le vice-roi! Ah, c'est très bien! Et vive le vice-roi! Très bien! Mais enfin, rien n'est parfait dans ce monde et l'on pourrait sans doute trouver bien des choses à redire! Ah, vive le vice-roi! Je ne connais que ça, moi! Est-ce que vous ne seriez pas de mon avis? Est-ce que votre opinion diverge? Diverge? Parce que si vous n'êtes pas de mon avis... Mais bien sûr que je suis de votre avis! Eh bien alors priez avec nous, vive le vice-roi! Que je crie quoi? Vive le vice-roi! Vive le vice-roi! Plus fort! Vive le vice-roi! Plus fort! Vive le vice-roi! Vive le vice-roi! Oh, mais ça va très bien dans ce quartier! Et dans les autres, ça va encore mieux! Vous croyez? Voulez-vous aller voir? Ah ben je veux bien! Eh bien allons-y alors! Criez, criez! Vous permettez, n'est-ce pas? Très volontiers, mon garçon, très volontiers. Ah, merci, mesdemoiselles. Espérons que nous ferons plus d'argent que nous avons fait jusqu'à présent. Dis-moi, Pétillot. Quoi? Décidément, bien, décidément, tu tiens à faire la caisse toi-même. Oui, j'y tiens. J'ai mes raisons pour y tenir. J'ai très bien remarqué que lorsque tu passes entre les tables... Si, bon, je te dis, mais je sais ce qui nous attend. Je l'ai très bien remarqué, ça ne me va pas. Tu y es? J'y suis. Messieurs, dames, l'Espagnol et la jeune indienne. Le conquérant dit à la jeune indienne: tu vois, Fatma, que je suis ton vainqueur. Mais ma vertu doit respecter la tienne. Plus sur respect, arrête de mon ardeur. Va dire, enfant, à ta tribu sauvage que l'étranger qui foule ici son sol a pour devise, a pour devise abstinence et courage. On s'est aimé quand on est espagnol. Chanteur, allons messieurs. Mais je ne demande que ça. Et le petit grelet arrive.
de savoir dans quoi. Ah, si c'est comme ça. Eh bien, tu vois. Oh, ça marche pas. J'entends quelque chose d'autre. Quelque chose de gai. Mais après, laisse-moi faire la quête encore une fois. Et laisse-moi la faire comme je l'entends. Oui. Et tu verras. Ça me serait bien égal si je n'avais pas là une idée qui me tracasse. Bah, quelle idée, voyons.
J'ai peur que ça t'ennuie de ne jamais rien avoir à manger. Moi ? Par exemple. Oui, j'ai peur qu'à la longue... Oh, mais au contraire, mon ami. Au contraire. Vraiment ? Oh, cette parole me donne du courage. Allons, la pellicole, allons chanter ailleurs, puisque ici, on nous a rien donné. Va chanter si tu veux. Moi, j'ai pas le courage de coucher. Mais qu'est-ce que tu vas faire, alors ? Moi, je vais m'étendre un peu, tâcher de dormir. Qui dort, dîne. On le dit, du moins. Ma pellicole adorée. Si au moins nous étions mariés. C'est vrai que nous ne le sommes pas. Oui, ça coûte 4 pesos de se marier. 4 pesos. L'administration n'a pas honte d'exiger. Chien de pays. Fichu journée. Tu m'aimes au moins. Je t'ai déjà dit. Ça ne fait rien, redis-le-moi encore que tu m'aimes. Je t'adore. Bon. Et alors je vais aller tâcher de nous récolter quelques centavres. Ouais, c'est ça, va chanter. Ah, je vais dormir. Il grandira. Ces deux personnes avec qui je suis sorti tout à l'heure, oui, c'est ces deux personnes, cet homme et cette femme qui crient avec moi « Vive le vice-roi !» J'ai fini par les reconnaître. L'un était le premier gentilhomme de ma chambre et l'autre le gouverneur de la ville. Ah, la vérité. Mais qui est-ce qui me la dira, la vérité ? Fichue journée. Qu'entends-je ? Chien de pays. Ne me trompe pas ? Serait-ce elle, enfin ? Non. C'est une femme. Elle est jeune. Elle est jolie. Elle paraît être dans une position de fortune voisine de l'indigence. Oh, on a beau dire, dormir et dîner, c'est pas la même chose. J'aimerais mieux dîner. Et bon ? Non, ce n'est rien, c'est ce que les poètes appellent un coup de foudre. Ça y est, me voilà amoureux. Vous n'êtes pas fait mal au moins ? Non. Je vous remercie. Ça y est, je suis pris, c'est une passion. Votre nom ? La Péricole. Là, tantôt, je vous écoutais, je vous ai pris pour la vérité. La vérité ? Mais oui, vous savez, la vérité sortant du puits... Toute nue. Bonne des libertés. Ah non, pardon, je plaisantais. Moi, j'ai bien en humeur, tiens. En effet, vous seul au milieu de cette ville en fête, semblez triste. Confiez-les-moi. Quoi donc ? Ben, vos chagrins. À quoi donc ? À quoi bon ? Qui veut savoir ? Le Kikyo, qui ne revient pas. Vous n'étiez pas gentil tout à l'heure. Quoi ? Ce pauvre gouvernement-là, tapiez dessus. Bon, vous savez, j'ai des soucis, alors je trouve que tout va mal. Moi, si j'étais pas ennuyée, ben, je trouverais que tout va bien. C'est vrai ? Vous n'avez pas d'autre grief ? Bah, non. Alors, parlez-moi un peu de vous. Votre famille ? Obscure. Votre profession ? Chanteuse. Ah ! Et mariée ? Non. Et pas d'amoureux ? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? On me demande ce que ça peut me faire. Alors, pas d'amoureux ? Non, pas d'amoureux. Réjouissez-vous, alors tous vos mots vont finir. Je vous emmène. Où ça ? À la cour, au palais du vice-roi. Mais qu'est-ce que j'aurai à y faire ? Vous serez demoiselle. De compagnie ? Oh non. Demoiselle d'honneur. Demoiselle d'honneur de la vice-reine. De la vice-reine ? Ah ouais. Je comprends votre étonnement. Le vice-roi a eu en effet la douleur de perdre... Mais il a tenu à garder quelque chose qui lui rappela celle qu'il avait tant aimée. Alors il a... Enfin, j'ai fait garder le service des demoiselles d'honneur. Vous avez dit, j'ai fait garder. Ouais. Vous seriez donc... Oh, je me suis trahi. Je me suis trahi, mais je ne le regrette pas. Pourvu que toi, tu me promettes... de ne jamais me trahir. Attendez là. Il ne manque pas de gens sur le pavé de la Havane qui, pour se moquer d'une pauvre jeune fille, s'amusent à lui dire « Je suis le vice-roi ». Voilà. Et après, ils se mettent à rire et ils disent « Je suis tout bonnement un Velasquez, Pérez, Castro. Oh, » Tu ne me crois pas, hein ? Non. Tu voudrais des preuves ? Ça ne pourrait pas faire de mal. Tiens. Tiens. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu ne reconnais pas ? J'ai bien
vous va guider, mais... Enfin, ça, c'est un billet de 1000 pesos. Oh, c'est un billet de 1000 pesos. Hein? Et là, l'effigie, là, tu vois le portrait, là? Tu ne reconnais pas? Ah, mais regarde, regarde, regarde. Regarde bien. Hein? Hein? Ah, oh, mais oui. Oh, mais c'est... Ah, ben, tu vois. Oh, vous êtes... sacrément arrangé. Comment ça, je suis arrangé? Vous n'avez pas qu'un peu, hein. Ah, la vérité, hein. Alors, doutes-tu encore? Mais pourquoi ne douterais-je pas? Un homme peut bien se promener avec des billets de 1000 pesos dans sa poche. Un homme peut bien ressembler au vice-roi sans être pour autant, hein. Bien, alors écoute, viens avec moi. On se met là et on crie ensemble. Vive le vice-roi, tu vas bien? Ah, ça joue. Ah, non, abat le vice-roi, c'est encore mieux. Abat le vice-roi, voilà. Abat le vice-roi, abat le vice-roi, à mort le vice-roi, à mort le vice-roi, à mort le vice-roi. C'est moi. Vous, Altesse. Il n'y avait que vous à qui l'idée pu venir de faire une pareille farce, Altesse. Altesse. Alors, es-tu convaincu, mon enfant? Oh, maintenant. Oui. Et tu me suivras? Bah écoutez, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, oui. Mais d'abord, vous auriez sur vous un crayon, du papier... Bien sûr. Quoi faire? J'ai une lettre à écrire à quelqu'un. À qui donc? À une vieille tante. Voilà. Comme tu m'as fait peur. Tu ne sauras jamais comme tu m'as fait peur, hein? Ah, mais dites donc, Altesse! Ah, mais dites donc! Oui, messieurs! Cette femme! Oui, messieurs! Nous nous proposons donc de l'installer dans notre petite maison et... Mieux que cela, messieurs, je l'amène au palais. En titre, alors? En titre! Elle occupera le petit appartement du troisième. Celui qu'occupait la jeune duchesse d'Acapulco? Cela vous gêne-t-il, monsieur mon premier gentilhomme? Eh bien oui, c'est-à-dire enfin en effet que ça me gêne un peu, parce que cet appartement étant vacant, n'est-ce pas, j'avais l'habitude d'y fourrer un tas de choses. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit du règlement. Le règlement? Mais il ne me défend pas, je suppose. Certes non, il ne défend pas. Mais néanmoins... il met certaines restrictions. Votre Altesse est en veuf. Veuf? Je préfère veuf. Une Altesse, il faut dire veuf. Oui, mais puisqu'il est du genre masculin, lui. Qu'est-ce que ça fait? Je croyais que ça fait quelque chose. Allez donc apprendre l'espagnol. Votre Altesse est en veuf. Oui, je suis veuve. Et se trouvant dans l'âge où il est plus aisé de faire une sottise que de frapper le taureau entre les deux épaules, il a donc été décidé par le règlement que votre Altesse ne pourrait sous-louer le petit appartement du troisième qu'à une femme mariée. Est-elle mariée? Non, elle ne l'est pas. Le vice-roi, là, s'il vous plaît. À vous, on vous appelle. Ah, mon amour. Eh bien, cette lettre. Oui, je l'écris, j'aurai bientôt fini. Mais d'abord, je ne serai pas fâchée de faire parvenir en même temps un... Enfin, vous n'auriez pas sur vous quelques-uns de ces très joli petit portrait, vous savez, que vous m'avez montré. Pour qui donc? Pour ma vieille tante. Si fait, là, dans cet appartement qui est à moi et dans lequel j'espère, vous me ferez le plaisir de venir dîner avec moi tout à l'heure. Dîner? Vous voulez bien? Oh oui. J'ai là ce que vous me demandez. Je le vais quérir et vous l'apporte, mon amour. Il me demande si je veux dîner. En effet, messieurs, elle n'est pas mariée. Et le règlement exige qu'elle le soit. Je vous remercie de me l'avoir rappelé. Je vous charge, vous, monsieur le premier gentilhomme de la chambre, de trouver au plus vite un pauvre diable qui consente à épouser. Quant à vous, monsieur le gouverneur, je vous charge de trouver un notaire qui consente à bâcler immédiatement ce mariage. Et si dans 2 heures, vous m'entendez bien, si dans 2 heures tout n'est pas terminé, j'accepterai la démission de tous vos emplois, charges et dignité. Ah, ah. Sans oublier les appointements. Ah. Immédiatement. Que faire, Miguel? Obéir, Pedro. Et plus tard, nous verrons. Oui. Œil pour œil, dent pour dent. Non, Pedro, non. Pour un œil, les deux yeux. Et pour une dent, toute la gueule, hein. Miguel,
y a ici un notaire. Je vais tenter de le décider. C'est ça, tenter, tenter. Et moi, je vais tâcher de trouver un mari. Oh, Marie, si tu savais. Toi, Piquillo, que vas-tu dire quand tu recevras cette lettre? Encore, mais puisqu'il ne revient pas, allons manger, puisqu'il ne revient pas.
L'on nous a chargé de remettre une lettre et nous a remis pour cela une liasse d'argent. Comment entendez-vous cela, mes cousines? Il me semble que c'est très simple. Il n'y a pas deux façons d'entendre la chose. Il faut remettre la lettre très exactement. Sans doute. Et quant à la liasse de billets? Faut la garder. Pour la commission. Voilà. Deux centavos. Et encore, il y en a un qui a une façon sonnée. Pauvre Péricule. Est-ce vraiment la peine de la réveiller pour le lui dire? Donc, Étienne. Beauchanteur. Nous avons une lettre pour vous, Beauchanteur. Une lettre? Une lettre qu'une personne qui était ici tout à l'heure nous a chargée de vous remettre. C'est alors. Il ne manquait plus que ça. Beauchanteur, si vous avez envie de consommer quelque chose, ne vous gênez pas. Et vous savez, pour le pot, nous n'en parlerons pas. Merci, votre gentillesse, mademoiselle. À vrai dire, je n'ai pas le cœur à la consommation, mais ce sera pour plus tard. Si vous le voulez bien, d'accord? Pour plus tard. C'est de toi, compte là-dessus. Je signe la Péricole qui t'aime mais qui n'en peut plus. C'est parfait. Je pense qu'à présent le pauvre Piquillot a chanté sa dernière chanson. Les choses essentielles, tu peux compter sur ma vertu. Tu vas bien voir comme j'y compte. Péricole! Péricole! Il ne reste plus qu'à presser la détente. Ça a l'air simple, la chose est délicate. Allons. Un, deux... Tous ceux qui sont passés par là vous le diront. C'est vraiment la chose délicate. Oh là, quelqu'un, moi. Oui, il est là. Cet homme-là, il était en train d'essayer de se suicider. Oh, mais ce n'est pas notre faute, monseigneur. Nous lui avons proposé de... C'est bon. Un mot seulement. Es-tu marié? Non. Es-tu marié? Non. À merveille. Alors, emmenez-le chez vous, donnez-lui à boire, faites-le revenir à lui. J'irai lui parler tout à l'heure. Du Malaga. Vite, la fille, apportez-moi du Malaga. Oui, monsieur. Allez. Ah oui, monsieur. À moi, comte de Meaux. Alors, allez-vous trouver? Mais oui, j'espère. Ah, mon ami, cette femme. Une réserve, un ange, une distinction. Alors, quand je lui ai proposé de la marier, elle a refusé tout net. Mais je compte bien la décider avec deux ou trois verres de Malaga. Je ne perds pas de temps, alors. Je vais tâcher, moi, de décider mon homme. Ouais. Et en même temps, dites à cette fille de se dépêcher avec le Malaga, hein. Du Porto, tout de suite, du Porto. Eh bien, monsieur le gouverneur, ce notaire... J'ai eu du bonheur, Altesse. Celui qui demeure ici était chez lui. Je l'ai trouvé en train de faire une petite partie avec un de ses collègues. Quel heureux hasard! Je leur ai proposé l'affaire, mais ils font un tas d'objections. Ils disent que c'est aujourd'hui la fête du vice-roi et qu'avec un petit peu de Porto, j'en viendrai à bout. Le Malaga demandé! Ayez la bonté de me faire donner à moi du Porto, jeune demoiselle. Oui, monsieur. Des Porto pour monsieur le gouverneur! Oui! Allez, là, venez vite, hein. Il n'y a pas moyen de se faire servir dans cette maison. Mais à qui en avez-vous, Miguel? S'il est Dieu possible d'imaginer une chose pareille. Un homme qui ne demande pas mieux que de se suicider, je lui offre de se marier et il fait des façons. Mais heureusement, avec un peu de madère, mademoiselle, envoyez-moi du madère, je vous prie. Mais pour ça où le porte? Pour ici, pour ici, bel enfant, pour ici, pour et tous que vous êtes plus fort comme madère, n'est-ce pas? Tous que vous êtes plus fort. Du Xérès. Je ne serais pas fâché d'avoir un peu de Xérès. Eh bien, tout va très bien. Pourtant,
Alors, elle a encore des scrupules, mais des tout petits. Alors aussi avec quelques biscuits trempés dans du Xérès. Oh. Apportez-moi du Xérès. Oui. Et plus vite que ça. Dites, vous venez voir, si ça peut vous aider à décider votre homme, dites-lui qu'en se mariant, il devient marquis du Manzanares et comte de Tobago. Je n'y manquerai pas, Altesse. Si ça fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal. Je m'attends de monter. Voilà le Xérès. Par ici, madame. Et par ici, le Xérès. Le Xérès. De l'Alicante, maintenant, de l'Alicante. Il paraît que le collègue préfère l'Alicante. Monsieur, de l'Alicante, bel enfant. Monsieur. C'est pas possible, mais c'est pas possible, chère cousine. Ils boivent tout ce qu'on veut, mais quant à consentir à ce qu'on leur demande, va promener. La ligue, monsieur. Ah, pas ici. Tout de suite. Merci. Elle consent. Elle consent, mais j'ai eu du mal. Ah, moi aussi, j'ai eu du mal, mais je ne le regrette pas, puisque j'ai réussi. Votre homme est décidé? Tout à fait décidé. Ah, ah oui, mais seulement, pour venir à bout des scrupules de ce drôle, j'ai dû vraiment user de tels moyens que je le déclare incapable de faire 10 pas. N'est-ce que cela? Le mariage aura lieu ici. Ici? Ici même. Annoncez cela à vos amis et connaissances, mesdemoiselles les cabartières. Et dites-leur que si ça les amuse de voir un mariage pour de vrai, ils n'ont qu'à venir ici tout à l'heure. Oh, my God.
prince. Enfant, je te marie. Oh, oh, je te marie. Vous vouliez tout à l'heure. Vous vouliez tout à l'heure. Oui, lorsque j'avais faim, j'ai dit maintenant, Seigneur. J'ai dit maintenant, Seigneur, à votre souverain, vous songez résister. Je n'ose. Nous la déciderons. Et si bon le mari, le voici, le voici. Vivra vers moi.
loge, c'est que je le suis. Thank you.
manque. Une chanteuse des rues. Expliquez-vous, Panatellas. Cette nuit, celles d'entre vous qui ont le sommeil léger n'ont-elles point été réveillées par un refrain étrange? On chantait, il grandira, car il est espagnol, n'est-ce pas? Oh, j'ai cru voir que c'était un rêve. Moi, je pensais à autre chose. C'était la nouvelle favorite, la comtesse de Tabago, marquise du Manzanares, qui faisait son installation en compagnie du comte de Tabago. Oh. Marquis du Manzanares, son illustre mari. C'est indigne. Oh, mais le vice-roi ne pourrait-il pas mieux placer ses affections? N'a-t-il pas autour de lui? Ah, je comprends, mesdames, que vous soyez toutes indignées. Mais, patience, si comme je l'espère la cour est avec nous, cette plaisanterie ne durera pas longtemps et la favorite s'en ira aussi vite qu'elle est venue. Et si cela fait trop de peine à notre gracieux maître, nous serons les consolés. Oh, voici le mari. Je vous laisse. À vous de jouer, mes toutes belles. Mesdames, soyons polis. Je vous salue, mesdames. Ah, ça, mais que fais-je ici? Que m'est-il arrivé? On ne m'ôtera pas de la tête que depuis hier, il s'est passé dans ma vie des choses extraordinaires. Quelles choses, ça? Voilà qui me serait impossible pour l'instant de... Je vous salue, mesdames. Il ose nous saluer. Oh, faisons-lui sentir notre mépris, voulez-vous? Je ne demande pas mieux. Madame va bien. Madame? Oui, la comtesse Tabago. La marquise de Manzanares? Votre femme, quoi? Ma femme! Voilà ce dont je n'arrivais pas à me souvenir. Je suis mariée! Thank you.
compliment. Ça, madame. Comment ça, madame? C'est de l'ironie. Malgré le peu d'éducation que j'ai reçue, je m'aperçois très bien que c'est de l'ironie, mais... Mais ça me fait rien, j'aurais tort de me fâcher. Que fais-je ici? Si je posais la question tout bêtement, on me prendrait pour un idiot. Tandis qu'en ne demandant rien et en écoutant... Voyons un peu, je sais déjà que j'ai épousé une femme. C'est très bien. Quelle est cette femme, ça, je n'en sais rien. Mais d'ici peu, sans doute, je rencontrerai quelqu'un qui me le dira. Et messieurs, maintenant, je crois que j'ai une nouvelle. Ils veulent peut-être que je leur chante quelque chose. C'est mon métier, après tout. Je vais leur chanter quelque chose. Quel marché de bassesse, c'est pour force ma foi, épouser la maîtresse du roi. Oh, je sais maintenant que j'ai épousé la maîtresse du roi. C'est trop fort, il faut que je leur explique. Messieurs, faut pas tant de finesse pour deviner pourquoi épouser la maîtresse du roi. Voyons, messieurs, je vous en prie, je... Quelle délicatesse, elle échappe à la loi. Épousez la maîtresse, du roi. Mais comment ça m'ennuie à la fin? Eh bien, messieurs, qu'est-ce que cela veut dire? Eh oui, messieurs, laissez ce pauvre garçon tranquille, allez, circulez. Mais circulez, messieurs, circulez. Circulez, messieurs, circulez. On ferme. Oh, je sais maintenant que je suis marié et que je suis probablement dans un musée. C'est pour cela qu'on m'a fait habiller. Vous voilà, monsieur. Me voilà. Oui, je vous ai très bien reconnu malgré votre bel habit tout neuf. Hein. Et monsieur, il est avec vous. Un ami, peut-être? Don Pedro de Hinojosa, gouverneur de la ville. Bien flatté, monsieur. Et nous arrivons pour vous défendre, comme vous voyez. Mais c'est bien le moins, monsieur, c'est bien le moins, car enfin, c'est vous qui, hier, avez profité de ma position misérable pour me forcer à accepter de... Des reproches? Il n'oserait pas. Je n'oserais pas? Non. Non, je ne vous ferai pas de reproches. J'allais me suicider et vous m'avez offert de me marier. Vous m'avez dit qu'après la noce, je recevrais une grosse somme et que je pourrais planter là ma femme et m'en aller au diable. Cette proposition m'a séduit car j'ai pensé qu'avec la grosse somme, je pourrais retrouver une femme que j'aimais et qui m'a abandonné, mais que j'aime 100 fois davantage depuis qu'elle m'a abandonné. Comme je vous comprends. À votre place, je serai comme vous. Oui, dites, maintenant que nous sommes seuls, n'est-ce pas que c'est bon, les femmes? Et encore qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Bien maintenant que nous sommes seuls et tranquilles tous les trois, pourquoi, messieurs les gentilshommes, dirions-nous pas à pleine voix? Les femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde tournera, tant que la terre purera. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, il n'y aura que ça. Voyez, monsieur, comme ils sont tristes, les gens qui rêvent.
À présent, de nous. Oui, de nous. Mon ami Don Pedro de Inoyosa est, je vous l'ai dit, gouverneur de la ville. Je suis, moi, premier gentilhomme de la chambre, et vous êtes, vous, le mari de la favorite. Nous sommes donc à nous trois, les trois plus hauts dignitaires du pays. Est-ce possible? Mais oui, puisque nous avons les trois meilleures places. Cela posé, il ne reste plus qu'à nous partager entre nous trois les richesses et les honneurs. Et les billets de spectacle. Nous aurions très bien pu vous tenir à l'écart, faire le partage sans vous. Mais nous n'en sommes pas capables. Nous sommes d'honnêtes gens. Est-ce possible? Nous nous sommes dit, allons trouver le comte de Tobago. Oh, qui est-ce, ce ton comte de Tobago? C'est vous. Allons trouver le marquis de Manzanares. Et qu'est-ce encore que celui-là? C'est vous toujours. Allons trouver le comte de Tobago, le marquis de Manzanares, et entendons-nous avec eux. Avec lui. Avec eux. Le comte de Tobago, le bari, le baron de Malongo, le marquis de Manzanares, il faut dire, avec eux. Allez donc apprendre l'espagnol. C'est bon, vous êtes mon supérieur hiérarchique, entendons-nous avec lui. Demandons-lui ce qu'il désire. Et ce qu'il demandera, nous lui donnerons. Est-ce possible? Oui, cher marquis, demandez-nous tout ce que vous voulez. Seulement, soyez raisonnable. N'oubliez pas que vous êtes un homme de peu. Un homme de rien. Une manière d'histrion. Une façon de baladin incendant. En bref, un pauvre diable. Et que dans tout partage, un pauvre diable doit se contenter d'une part de pauvre diable. Là, maintenant, parlez, allez-y, dites ce que vous voulez. Ne vous gênez pas. Tout ce que je voudrais? Tout. Eh bien, je veux m'en aller. Nous pouvons lui accorder cela, il me semble. Oh, je crois, n'est-il pas bête? Il pouvait nous demander tout ce qu'il voulait, il demande simplement à partir. Oui, ça, je crois que nous pouvons lui accorder. Salut, alors. Salut. Pas tout de suite, cependant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une formalité, une petite formalité de rien du tout. Cette femme que vous avez épousée, il faut que vous la présentiez. Que je la présente, mais à qui? Mais à la cour du vice-roi, bien sûr. Comment, moi, le mari, il faut que je présente ma femme au... Vous êtes surpris? Oui, mais je ne devrais pas. Après tout, chaque pays a ses usages et... Et puis comme ça, je ne partirai pas d'ici sans l'avoir vu, ma femme. Ah! Elle est magnifique, vraiment. Oui. Elle est très jolie. Vous verrez ça tout à l'heure. Quand elle entrera, vous la prendrez par la main. Et vous la présenterez à son Altesse en disant « Altesse, je vous présente la marquise. » Son Altesse vous répondra probablement bien obligé. Et ce sera tout? Ce sera tout, vous serez libre. Et je pourrai courir après la femme que j'aime? Autant qu'il vous plaira. Mais alors dépêchons-nous, est-ce bientôt cette présentation? Mais c'est tout de suite. Voici son Altesse et tout à l'heure votre femme. Ma femme? Ça me fait quand même quelque chose à voir. Pas grand-chose, mais quelque chose. Nous allons donc voir à Marie présenter sa femme à vous. Cette fête se passe ici un peu plus souvent que son tour. Comte, bonjour, Altesse. Donc vous allez monsieur présenter la comtesse. Ah, la comtesse. Oui, la comtesse. Ah, ah, ah. Marquise du Manzanares. Nous allons donc voir Marie présenter sa femme à vous. Cette fête se passe ici un peu plus souvent qu'à son tour. Cette fête se passe ici un peu plus souvent qu'à son tour. Cette fête se passe ici un peu plus souvent qu'à son tour. De tout ce que j'ai dit, vous souvenez-vous bien? Je m'en souviens. Allez donc et n'oubliez rien. Vous allez voir. Venez, madame. Je viens, monsieur. Dieu, c'est toi, la pellicole. Eh oui. Comment c'est toi? Toi, ma femme. Eh oui, c'est moi. Qu'est-ce que j'entrevois? Tais-toi. Tu seras faux. Ah, j'en suis bien assez. J'en sais bien assez. Car je sais qu'on a
Elle est bien bonne celle-là. Attendez-vous à cela. Parce que ça deviendra. Elle est bien bonne celle-là. C'est un mal entendu. Mais je vais le calmer. Ne craignez rien. Je saurai l'apaiser. Écoute un peu. Écoute un peu. Il ne bouge un peu. Par Dieu. Que veulent dire ces colères et ces gestes de mauvais trous? Sont-ce un imbécile d'une manière qu'on doit avoir dans un salon? Qu'on doit avoir dans un salon? Trouver ainsi l'éclat des fêtes, d'où j'ai pour ma dame pour ton bien. Nigo, Nigo, tu ne comprends rien, rien, rien. Mon Dieu, les hommes sont bêtes, les hommes sont bêtes. Je n'en veux plus, je n'en veux plus, non, 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 non.
C'est maintenant que vont-ils faire? Grand-roi, que vont-ils faire? Grand-roi, que vont-ils faire? Grand-roi, que vont-ils faire? Conduisez-le, bon courtisan, et que cet exemple serve dans le cachot qu'on réserve, qu'on réserve. Ô Marie Ré, ô Marie Cal, ô Marie Si, ô Marie Tron, ô Marie Récal, Citron, ô Marie Récal, Citron, ô Marie Ré, ô Marie Cal, ô Marie Si, ô Marie Tron, ô Marie Récal, Citron, ô Marie Récal, Citron. Thank you.
Je suis en train de m'évader. Y parviendrai-je ? Moi, le marquis de Santarem, emprisonné depuis 12 ans, pour retrouver les femmes que j'aime, et décidé de picher le camp. 12 ans de silence, c'est un drame, mais je saurais sortir de là pour pouvoir retrouver une femme et pour la prendre dans mes bras. Je suis sans train de m'évader, encore une bonne douzaine d'années. J'aimerais, j'aimerais, dans tout ce qu'il me faut, grâce à ce tout petit bouton. J'ai dans vous tout ce qu'il me faut, grâce à ce tout petit bouton. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut, grâce à ce tout petit bouton. La 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 la. Pauvre mère me disait, tu finiras mal dans ta vie, à t'enivrer, à t'amuser, tu ne tiens pas ton grand marquis. Tu grandiras dans un cachot, sans une femme pour te chérir, pour s'occuper de ton picozo, sans bouquet de roses à lui offrir. Aussi, je suis sans train de m'évader, encore une bonne douzaine d'années. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut, grâce à ce tout petit bouton. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut, grâce à ce tout petit bouton. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut, grâce à ce tout petit bouton. La, 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 la. Ah, 12 ans que je perds cela. 12 ans. Encore 12 ans pour percer cet autre mur. Et je serai libre. Oh, libre. Oh, ne perdons pas une minute. Ah, j'entends du bruit, il me semble. Rentrons vite. En matière d'évasion, l'on ne saurait se montrer trop prudent. Par ici, messieurs. Suivez-moi. Attention, il y a une marche. Oui. Ah, attention, il y a deux marches. Merci, j'ai l'œil. C'est ici, nous sommes arrivés. C'est ici le cachot des maris, récalcitrant. Oui, monseigneur. Il est très propre. Il est tout neuf. Il n'a jamais servi. Alors on me fourre en prison parce que je n'ai pas trouvé bon que ma femme... On vous fourre en prison parce que vous avez été récalcitrant. C'est bien ce que je dis. On me fourre en prison parce que je n'ai pas voulu me laisser faire. Eh bien voilà ces choses, messieurs. Je n'ai pas quant à moi d'opinion subversive, mais je dois bien dire que ça fait comprendre les révolutions. Oh, 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 mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, oui, je t'excuse pas, mais ça les fait comprendre. Mais taisez-vous, mon ami. Eh, mais taisez-vous, mon ami. N'aggravez pas votre position. Allez, au revoir, mon ami, au revoir. Mais vous allez me laisser tout seul? Mais il le faut bien. La fête continue là-haut. La fête? Mais nous ne partirons pas toutefois sans vous avoir dit tout le bien que nous pensons de votre admirable conduite. Marie courbait la tête, c'était l'usage à la 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 la. Généreuse et flatteuse pour la corporation. Ressalons en excellence, ressalons en excellence.
Est-il lié de manière à ce que je puisse m'approcher de lui sans crainte? Il n'est pas lié, madame, mais si vous y tenez, je puis l'accrocher aux anneaux là-bas. C'est inutile. Mais restez ici et au moindre cri, jetez-vous sur lui avec vos hommes. Bien, madame. Estúpido! Estúpido! Qui voilà? Moi. Qui ça, moi? La péricole. La péricole? Est-ce que tu ne t'attendais pas à me voir? Oh non, je ne m'y attendais pas, non. Je ne pensais pas que tu aurais l'imprudence. Mais puisque tu l'as eu, c'est imprudence. Ah, pas de plus, et j'appelle. Si j'appelle, le geôlier entre avec 6 de ses hommes. On se jette sur toi et on t'attache à l'un de ces deux anneaux. Maintenant, fais comme tu veux. C'est bon. Je vois que tu as été moins imprudente que je ne le pensais. À la bonne heure. Causons maintenant. Tu penses bien que je ne serais pas venue si je n'avais pas eu un motif. Oh, mais je le connais, ton motif. Tu tenais à t'assurer que j'étais mal couchée. Eh bien, la voilà, la couche de l'honnête homme, de la paille. C'est pour voir ça que tu es venue? Non, ce n'est pas pour cela, mon ami. Pourquoi alors? Dans ces couloirs obscurs, sous cette voûte sombre, Piquillo, Piquillo, ne te dis-tu pas quel but mystérieux m'a conduite dans l'ombre et vers ce noir cachot a dirigé mes pas? Ce but mystérieux se devine aisément, tu viens pour te ficher de moi. Cela seulement. Oui, je t'assure, je te le jure, c'est de moi pour cela, mon gentil Piquillo. Eh bien, soit, parlez-moi, protège de ta bagarre. Je veux bien. Tu n'en as
Thank you.
Nous aimons, nous adorons
Faut-tu t'en aller? Faut-tu t'en aller? Faut-tu t'en aller? Trouva, je suis prêt à te parler. Et nous le fistons et nous lui chiffrons les clés. Et nous décampons. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Les femmes, 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 les femm
femme. Est-ce qu'il ose, quand il t'instose, fait toujours comme mon fils roi, commettre une petite imprudence dans l'itarisme des Lidois. Les femmes, il y a que ça, oh, mais mon Dieu, de ta coquette, Les femmes, il y a que ça, après tout, ils ont raison, les femmes, il n'y a que ça. À moi, à moi. Thank you.
ils sont arrêtés. Altesse, on est sur leur trace, Altesse, on est sur leur trace. On est sur la trace. Ah, mais je la connais, celle-là. Je sais ce que ça veut dire. Mais Altesse, ça veut dire... Ça veut dire que vous ne savez rien. Ah, si. Deux misérables auront osé porter la main sur ma personne sacrée. Ils l'auront ficelé comme un saucisson, ma personne sacrée. Puis ils se seront enfuis en se moquant de moi. Et quand je vous demande à vous qui êtes le premier gentilhomme de ma chambre, et à vous, le gouverneur de la ville, si ces deux misérables ont été arrêtés, vous pensez qu'il vous suffira de me répondre, on est sur la trace, Altesse, on est sur la trace. Mais Altesse, j'ai tout fouillé, j'ai fouillé le palais, j'ai fouillé les bazars, j'ai fouillé les bouches, j'ai fouillé les boutiques, j'ai fouillé les cabarets. Et vous, voilà Altesse. Moi, Altesse, j'ai fouillé les habitants. Et bien sûr, vous n'avez rien trouvé. Oh, pas grand-chose, Altesse, pas grand-chose. Vous dites ça parce que vous avez peur que je vous demande ma part. Avancez un peu les trois cousines. Oui, Altesse. Vous la connaissiez, cette Péricole de Malheur? Vous le connaissiez, ce petit Guillot? Oui, Altesse. Vous les avez vus, sans doute. Ah non, Altesse, n'est-ce pas, mes cousines, que nous ne les avons pas vues? Vous vous troublez, les trois cousines? Faites-y attention. Je vous ferai battre de verge si vous ne me dites pas la vérité, vous m'entendez? Je vous ferai battre de verge après vous avoir fait déshabiller. Oh, ah, 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 ça vous amuse? Oh, ah, 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 eh bien, ça n'aura pas lieu. Oh, en chasse, messieurs, en chasse. Je rattraperai ceux qui m'ont ficelé. Qui sais-je pour les rattraper? Démolir la moitié de Gatière. En chasse. Les Guillaumes, la Péricole. Piquillot, la Péricole, il se livre à la bonne heure. Poussez-vous. Vous permettez, n'est-ce pas, mademoiselle? Mais très volontiers, très volontiers. Espérons que les gens qui nous écouteront seront généreux. Très généreux. Tu verras bien. La clémence d'Auguste. Ah, ça, c'est délicat. La clémence d'Auguste. Les coupables récompensés quand ils auraient dû être punis. Complainte brillante en trois couplets. Que vois-je? Le marquis de Santarem. Écoutez, peuple d'Amérique, les méchants des Cubains. Écoutez, ça ne coûtait qu'un sou, l'histoire de que si je ne me retenais pas, je pleurerais comme une bête. Avancez, marquis de Santarem. Qu'aviez-vous fait pour être mis en prison? Mais je n'en sais rien. J'ai oublié. Il y a si longtemps. C'est fâcheux.
J'aurais aimé à vous le pardonner, mais puisque vous ne vous en souvenez plus, qu'on le reconduise dans son cachot. Oh, ça m'étonne, j'ai mon petit couteau. Vous deux, vous êtes libres. Libres ? Et riches ? Ah, Péricole, Péricole. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Tous deux autant de peine et de misère, dans bien des cours avons chanté souvent. Nous pleurons avec tranchées entières, plus c'est ici qu'on fait plus d'argent. Nous vous quittons ainsi que l'hirondelle, vers d'autres cieux nous prenons notre envol. Il grandira car il est espagnol.